Je sais que t'as gros sur le cœur. Non, j'en ai ras-le-bol, c'est tout, j'en ai ras-le-bol. Ça va aller. Ras-le-bol. À 45 ans, Alexandre Jacob est retourné vivre chez sa maman, après s'être fait arnaquer sur Internet. Il s'est fait voler 1500 euros. Depuis, sa banque a bloqué son compte en raison d'un découvert trop important. Alexandre a plongé dans la dépression. L'essentiel, c'est qu'on soit toujours ensemble. Moi, j'ai pas la... Voilà, j'ai pas la... l'habitude de vivre des trucs comme ça et de... Non, on n'était pas habitué à ce genre de choses. Mais de toute façon, celui qui s'arrive, c'est jamais habitué. On n'est pas arnaqué deux fois, quand même. On serait bien passé, quoi. Salarié dans une jardinerie, Alexandre gagne 1500 euros par mois. Au début de l'été dernier, il doit faire face à des dépenses imprévues. Une fragilité financière qui le rend vulnérable. Tout débute par une publicité sur Instagram, plutôt alléchante. Donc c'est un compte qui est toujours actif. C'est marqué, nous recherchons actuellement des particuliers motivés et majeurs, souhaitant rendre un service à notre société, urgent, rémunération de 1500 euros en 48 heures, seulement pendant une courte durée. Voilà. Ce type d'annonce pullule sur les réseaux sociaux. De faux chefs d'entreprise prétendent vouloir masquer leurs bénéfices pour payer moins d'impôts. Ils expliquent vouloir faire transiter leur argent sur les comptes en banque de particuliers et les rémunérer pour ce service. Alexandre a envie d'y croire et transmet son relevé d'identité bancaire. Au téléphone, un conseiller lui explique qu'il va lui faire un virement. Le jour même, Alexandre voit apparaître sur son compte une remise de chèque de 1900 euros. Une fois l'argent crédité, il doit reverser au conseiller 1500 euros et garder une commission de 400 euros. Et là, vous ne vous dites pas, c'est trop beau pour être vrai? Bah voilà quoi, après la personne s'est présentée comme voilà, je suis conseiller comptable et chargé d'affaires pour l'entreprise Nana. Il y a une grande part de naïveté là-dedans, mais quand on est en situation difficile, on se dit pourquoi pas quoi. Une semaine plus tard, la banque informe Alexandre que ce chèque est en réalité volé. Les 1900 euros lui sont retirés. Mais son virement de 1500 euros à l'attention de l'escroc, lui, a bel et bien été débité. On se trouve vraiment, vraiment bête et vraiment naïf, quoi. On se trouve vraiment... Voilà, quoi. On a limite, on a limite honte, quoi. C'est pas valorisant, c'est... Voilà, quoi. C'est pas... Je pense que ces personnes-là, bah, malheureusement, ne s'aperçoivent pas des répercussions ou quoi que ce soit, quoi. Parce que bon, 1500 euros, pour eux, c'est pas grand-chose. 1500 euros, pour moi, c'est énorme, quoi. Ouais. Je dis que l'argent fait pas le bonheur, mais quand on en a pas beaucoup, on n'est pas très heureux, quoi. Depuis cette histoire, Alexandre est en arrêt maladie. Avec nos vies de plus en plus connectées, les arnaques en ligne sont devenues un fléau. En quelques clics, on peut perdre beaucoup. SMS malveillants, mails frauduleux, faux appels de conseillers bancaires. Selon le ministère de l'Intérieur, 1 300 000 ménages auraient été victimes de fraude bancaire en 2020. L'arnaque au chèque reste de loin la plus répandue en France. Elle représente près de la moitié des escroqueries aux moyens de paiement. 625 millions d'euros l'année dernière. Pour comprendre le fonctionnement de ces arnaques, nous nous faisons passer pour une personne intéressée et répondons à l'annonce d'une certaine Mélanie sur les réseaux sociaux, le nouveau terrain de jeu des cybercriminels. Vous êtes le collègue de Mélanie, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok, merci de me rappeler. C'est vrai que ça paraît presque trop beau pour être vrai d'avoir quelqu'un qui donne de l'argent sur Instagram. Moi, ça se fait de plus en plus, en fait, c'est des dons financiers. C'est de plus en plus d'entreprises, voilà, se mettent à ça. Je pense que c'est le futur. Hein. C'est comme, voilà, je pense qu'on prend souvent comme exemple l'exemple de célébrités qui font des dons, voilà, des associations pour offrir à la fin payer moins d'impôts. Vous, votre entreprise, elle est dans quelle... Vous faites quoi? C'est l'agence Sixt. Ah, les voitures? Voilà, donc basée sur Nice.
Notre interlocuteur n'hésite pas à usurper l'identité d'une société de location de voitures reconnue pour crédibiliser son discours. D'accord, donc vous allez me virer, là par exemple, vous me proposez de me virer combien ? Ça sera entre 1 500 et 2 000 euros. Bah, c'est vrai que ça fait un peu peur parce qu'on se dit, est-ce que c'est pas une arnaque ? Le côté où vous risquez rien, vous, c'est que vous risquez rien, enfin, on sait qu'on attend que les consensus votre compte avant d'effectuer chaque opération. D'accord. Quelques jours plus tard, un chèque de 1900 euros est bien crédité sur notre compte. À peine la somme versée, nous sommes harcelés pour virer à notre tour 1000 euros en retour. Nous décidons de les confronter. J'ai eu la confirmation que le chèque que vous avez déposé est un chèque volé. Alors, de rien, parce que le chèque n'est pas volé. Si. Ça fait plus de 3 ans qu'on fait ça, nous. Si, le chèque est volé. Non. Et il y a plusieurs de vos victimes que j'ai eues au téléphone. Les chèques sont volés. Je suis désolé, je sais pas si vous faites si c'est une blague ou quoi que ce soit. C'est une technique pour garder les fonds, mais j'ai du mal à comprendre. Non, c'est j'ai eu la confirmation de ma banque. Bienvenue chez Laka Mobile. L'escroc nous raccroche au nez et nous bloque de tous ses réseaux sociaux. Utilisateur introuvable. Nous répondons à une autre annonce, en révélant cette fois notre identité de journaliste. Le pseudo-entrepreneur dit avoir 25 ans, vivre à Toulouse et être employé dans un hôtel. Il aurait monté ce business parallèle avec 3 associés. Vous, ce que vous proposez, c'est que vous fonctionnez comme tout le monde, avec des chéquiers volés, et ensuite vous les faites encaisser aux gens, enfin vous les encaissez sur les comptes des gens et vous récupérez des virements. Voilà, exactement. D'accord. Et ça vous rapporte combien Ça dépend de combien de clients je vois dans la semaine. Par exemple, la semaine dernière, vous vous êtes fait combien d'argent ? 7 000 euros. Est-ce que parfois vous pensez aux gens à qui vous faites ça ? Non, mais ce que j'ai fait, c'est pas mal. Je pense à pour aider mes proches. Des escrocs de plus en plus inventifs qui peaufinent leurs appâts. Depuis le début de la crise sanitaire, les cybermenaces ont explosé en France, plus 400%. Recevoir ces SMS est devenu notre quotidien. On appelle cela du phishing. L'escroc incite la victime à communiquer ses données personnelles en se faisant passer pour un organisme au-dessus de tout soupçon. C'est ce prétendu message de l'assurance maladie qui a dupé Priscilla No, 22 ans. La jeune femme, auxiliaire de vie, et son petit ami, animateur, ont perdu toutes leurs économies, 1 640 euros. Le premier réflexe, je me suis dit, ah non, il vaudrait mieux pas que je me retrouve sans carte vitale, quoi. Je me suis dit, je vais le faire de suite, comme ça c'est fait, je serai tranquille. Je clique dessus, je remplis le formulaire. On m'a demandé mon identité, mon adresse postale, et donc mes codes de carte bancaire. Pour payer 90 centimes auprès de la poste pour pouvoir recevoir ma nouvelle carte vitale, etc. La page du formulaire remplie par Priscilla était une copie à l'identique, ou presque, du site de l'assurance maladie. Le cybercriminel récupère alors ses codes de carte bleue. Mais pour effectuer un achat avec, il lui faut aussi sa clé de validation. Il appelle alors la jeune femme. C'est le deuxième volet de l'arnaque. Là, un homme se fait passer pour un conseiller bancaire de ma banque, donc. Et il me dit que j'étais allée sur un site frauduleux, qu'à cause de ça, on essayait de faire des opérations sur mon compte bancaire, de se faire des virements, et que mon argent allait être volé, et que lui était là pour bloquer justement ces opérations. Il s'exprimait très bien et tout. Il m'a dit de me donner les codes que j'allais recevoir par SMS et que lui, grâce à ça, il allait pouvoir bloquer les opérations. Et en fin de compte, je l'ai juste aidé à s'introduire, je pense, dans mon application. Il m'a manipulé à fond, quoi. Grâce au code que Priscilla lui transmet, le faux conseiller a réussi à changer son mot de passe et à s'introduire sur son compte. L'escroc valide alors une série d'opérations pour un total de 1640 euros. Il a vidé tout mon compte. Ouais, il me reste 40 euros. J'ai pu faire opposition avant qu'il m'enlève ces 40 euros. On se dit, bon, bah écoute, c'est reparti, quoi. On recommence le chemin du début. On va recommencer à mettre de côté, mais même si, voilà, c'est 1600 euros ou 200 euros ou 30 000 euros, faut pas cracher dessus, quoi. Faut pas se dire, bon, bah c'est pas grave. Non, si, c'est grave quand même.
Un mauvais SMS et quelques minutes de négligence au téléphone ont conduit d'autres victimes à la faillite. Depuis 3 semaines, la vie de Nadine Pinois s'est arrêtée. Cette ancienne chauffeuse VTC s'apprêtait à créer sa petite entreprise. Elle a vu s'envoler ses rêves après avoir répondu à un SMS prétendument envoyé par la plateforme Netflix. Alors qu'il ne lui restait que 40 euros sur son compte en banque, les escrocs ont réussi à effectuer un achat pour 6500 euros. Aujourd'hui, elle est endettée et sur le point d'être fichée à la Banque de France. Je sais que quand on a des sous, on vous les prend. Ça fait déjà mal, je reconnais. Mais quand vous les avez pas et qu'on vous met un découvert en plus et qu'on vous donne, on vous dit qu'il faut vous payer ce truc. Je sais pas, moi je me sens mal. Je comprends pas qu'on arrive en 2022 et d'avoir des trucs comme ça. Je sais pas, je trouve ça... c'est insupportable pour moi. Nadine possède une carte à débit différé. Sa banque n'est pas alertée lorsqu'elle fait un achat. Comme Priscilla, Nadine a été contactée par un faux conseiller bancaire. Cette fois, l'interlocuteur a fait en sorte que s'affiche sur le portable de la victime la mention « Sécurité LBP ». LBP, la banque postale, la banque de Nadine. Elle ne se doute de rien et communique ses codes personnels nécessaires pour valider l'achat. Mais au bout de quelques minutes, la communication coupe. L'interlocuteur rappelle, cette fois avec un numéro étranger. C'est normal que vous êtes international. Vous venez de me dire que c'est la banque postale et maintenant vous marquez, c'est la marque internationale. Ah non, non, ça ne devrait pas se passer comme ça, qui me dit. Bon, il raccroche et tout. Une bourde qui a trahi un appel en provenance de Suède. Les arnaqueurs agissent souvent depuis l'étranger, ce qui rend leur arrestation plus compliquée. Nadine a porté plainte. 325 000 signalements d'arnaque à la carte bancaire ont été enregistrés l'an dernier. Mais l'immense majorité des enquêtes n'aboutit jamais. Pour faire le poids face à ses ennemis redoutables, l'État a créé une force de frappe unique au sein d'une même tour, le campus cyber. Des enquêteurs de la gendarmerie nationale et des entreprises privées spécialisées dans la cybercriminalité. Michel Vandenberg en est le directeur. Face à lui, s'affichent en direct les attaques de phishing lancées à travers le monde. L'objectif d'un pirate, quand il fait du phishing, c'est de vous faire aller sur un site malveillant. Nous, on les identifie, on les répertorie, et puis on appelle les hébergeurs de ces sites pour qu'ils les ferment. Donc, comme vous voyez, aujourd'hui, on a détecté 300 sites de phishing qui ont été créés et on a fait fermer 223. La France est le 5e pays au monde le plus attaqué par les cybercriminels. En fait, maintenant, tout ça, c'est industrialisé et c'est géré par la mafia. Il faut savoir que la cybercriminalité, ça ramène autant d'argent que le trafic de drogue. Est-ce qu'on peut avoir comme ambition d'arrêter ces mafias dont vous parlez ? Mais ça, voilà, on l'a déjà réussi. Il y a déjà eu par Europol, par Interpol, des campagnes où on a réussi à arrêter aujourd'hui ces fameux pirates. Ces fameux pirates, maintenant, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se mettent dans des zones et dans des pays de non-droit. Parmi ces zones, la Corée du Nord, certains pays africains, la Russie, mais aussi l'Asie du Sud-Est. Actuellement, la France est victime d'une attaque massive de la part de hackers chinois. Ce sont eux qui se cacheraient derrière les SMS de colis non délivrés que nous recevons depuis quelques semaines. Livia Tibirna et François De Ruti sont des spécialistes chevronnés du phishing. Ils travaillent pour une entreprise chargée de détecter et neutraliser les cyberattaques. Même si les têtes pensantes de ces organisations criminelles sont souvent loin de chez nous, les petites mains, elles, sont partout. Et elles ont accès à un étonnant supermarché de l'arnaque. Il se trouve sur le dark web, cet internet caché et difficile d'accès. Sur ce forum, par exemple, des centaines de milliers de cybercriminels vendent des kits d'arnaque, clés en main. Cet utilisateur vend une arnaque qui usurpe l'identité du bon coin. Il propose pour 100 euros une imitation de la fenêtre de paiement sécurisée du site.
Les cybercriminels peuvent l'acheter et envoyer le lien de cette page dans un SMS frauduleux en incitant les internautes à l'ouvrir et à verser l'argent sur ce RIB qui n'est pas en réalité celui du Bon Coin, mais celui du compte en banque de l'escroc. En fait, il se crée un compte, il se connecte sur le Bon Coin, il regarde à quoi ça ressemble, il fait des captures d'écran, il prend des photos, il refait la même chose, mais il met ça ailleurs. Et comme on sait que sur le Bon Coin, on peut acheter des meubles, mais aussi des appartements, des voitures, on peut avoir des vraies transactions qui sont quand même élevées. Et donc c'est un bon piège qu'il est en train de mettre en place. Sur ce forum, on trouve aussi, gratuitement, des listes de données personnelles. Ici, un fichier de 680 000 mots de passe volés d'utilisateurs pour des comptes Spotify, Netflix, Orange et Canal+. Et pour vous, la délinquance du futur, c'est une délinquance cyber ? C'est pas la délinquance numérique qui est la délinquance du futur. Pour moi, c'est les données personnelles qui sont l'or du futur. C'est sensiblement... aujourd'hui, les données, on voit tout ça avec les publicités personnalisées qu'on reçoit, on est toujours surpris de comment ils ont accès à ça, comment ils savent que j'ai regardé ça. Et ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Donc la donnée, ce qui nous représente en tant que données numériques, ça, c'est vraiment l'or de demain. Et quand c'est l'or de demain, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir récupérer cet or-là, parce que ça vaut de l'argent. Du coup, ce qui veut dire que la délinquance autour de ça va augmenter fortement. Si vous aviez quelques conseils à donner pour éviter de se faire arnaquer. Très souvent, ça se joue à un accent, ça se joue à un point, un E remplacé par un A. On est précipité, surtout quand on est sur mobile, on ne fait pas vraiment attention, mais il faut s'éduquer à vraiment prendre 10 secondes et analyser le texte du mail et surtout ne cliquez pas. C'est fort possible qu'on ait des grosses campagnes qui soient liées à vos distributeurs d'énergie dans les prochains mois, parce qu'on va tous vouloir regarder à un moment combien on paye, c'est quoi sa facture, est-ce que cette inflation elle nous concerne, est-ce que ma prime va augmenter, du coup on va se connecter sur son site Engie, EDF, Total. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir des grosses campagnes qui imitent ces sites-là, parce que justement vous allez vouloir les vérifier, et du coup là en ce moment il y a un contexte qui fait que ce serait un bon sujet. Une vigilance d'autant plus essentielle que les victimes obtiennent rarement réparation de la part de leur banque. Bruno Goron, professeur de mathématiques, s'est fait prélever 25 000 euros après avoir répondu à un email qui imitait ceux de sa banque, le Crédit Agricole. Selon des experts en cybercriminalité, c'est la troisième marque la plus usurpée au monde. Bruno met un point d'honneur à récupérer son argent. Crédit Agricole, bonjour. Nous enregistrons la conseillère bancaire à son insu. La banque a réussi à bloquer un virement frauduleux de 20 000 euros, mais elle refuse de lui rembourser les 4 950 euros d'achat effectués par l'escroc. On nous dit que les banques sont responsables, enfin les banques doivent rembourser. Mais qui vous dit ça, M. Goron ? Le code monétaire. Qui vous dit que les banques doivent rembourser ? C'est sur quelle base les gens qui vous disent ça vous disent le code monétaire, par exemple. Les différentes... Le code monétaire, si on ne rentre pas dans tous les alinéas, effectivement, on peut lui faire dire ce qu'on veut au code monétaire. Le code monétaire et financier stipule que les banques se doivent de rembourser les sommes prélevées de manière frauduleuse, sauf en cas de négligence grave de la part du client. Un terme imprécis sur lequel jouent les établissements bancaires. Ça veut dire que je suis coupable de négligence grave. Après, c'est quoi la négligence grave ? C'est à vous de me le dire. Vous dites que le code monétaire et financier parle de négligence grave. Mais c'est quoi une négligence grave ? Moi, j'aimerais bien le savoir. Si je reprends les échanges que vous avez eus avec Madame, vous lui avez bien déclaré avoir répondu à un email. Oui, je suis d'accord. Voilà. Donc ça, ça y est, c'est... Vous voulez que la banque soit responsable de ça. Donc c'est ça, la négligence grave. Ça peut être une des négligences. Donc vous voyez que vous savez ce que c'est. Nous avons contacté à de nombreuses reprises le Crédit Agricole. Pour seule réponse, ce bref message. Le client a bien été reçu et toutes les informations nécessaires ont été portées à sa connaissance. Par ailleurs, le Crédit Agricole reste tenu au secret professionnel et ne peut donc évoquer le sujet par voie de presse. Bruno a pris un avocat pour attaquer la banque en justice. Maître Arnaud Delomel s'est spécialisé dans ce type d'arnaque. Depuis le début de l'année, il a défendu une trentaine de victimes
et a obtenu réparation pour 75% d'entre elles. À ce sujet-là, vous échangez plus avec votre banque. D'accord. Ils nous ont envoyé promener. Maintenant, c'est le tribunal qui va statuer. La banque lui dit, vous avez cliqué sur ce mail, donc pour nous, c'est une négligence grave. C'est vrai que les défenses des banques, moi, que je trouve souvent légères, c'est de dire, bah oui, mais c'est pas notre mail. Mais oui, mais évidemment que c'est pas votre mail, parce que sinon, on n'est pas là, il n'y a pas d'escroquerie. Hein, puisqu'a priori, la banque, elle va pas chercher à escroquer ses propres clients. Donc, il y a toujours quelque chose. La question, c'est de savoir, encore une fois, si la personne a été gravement négligente ou pas. Lorsque vous avez une adresse mail qui est utilisée, qui présente, et c'est le cas de M. Goron, l'apparence de son établissement bancaire, on ne peut pas, pour moi, considérer qu'on a affaire à une personne qui a fait preuve d'une négligence grave. On peut considérer parfois que les gens ont été naïfs ou pas suffisamment attentionnés. Mais ça, légalement, ça ne correspond pas à une négligence grave. Donc la banque doit être condamnée à rembourser. C'est aussi simple que ça. Bruno espère obtenir un jugement d'ici le printemps prochain. À l'heure actuelle, les victimes qui ont accepté de témoigner dans notre reportage n'ont obtenu aucun remboursement de leur banque. Alexandre, arnaqué de 1 500 euros. Priscilla et Henri, amputés de leurs 1 640 euros d'économie. Et Nadine, endettée à hauteur de 6 500 euros. Tous sont tenus pour responsables de ce qui leur est arrivé.